présenter une nouvelle catégorie sur terre battue, aussi appelée The Track, qui se dispute sur piste ovale. Aujourd'hui, pour la première fois, les pilotes des quatre catégories ont eu l'occasion de faire connaissance avec le tracé du stade olympique. Samedi, les spectateurs pourront voir quatre types différents de véhicules. Outre les motos qui roulent sur terre battue, il y a l'épreuve impliquant les autocrosses, la course des véhicules tout-terrain, qu'on va voir dans quelques instants, les voici, et bien sûr l'épreuve chérie des amateurs, celle des motocross où les pilotes atteignent des hauteurs étonnantes. Écoutons justement à ce sujet les pilotes Carl Vaillancourt et Michel Mercier nous donner leurs premières impressions. C'est un anneau de vitesse, deux bouts droits et puis deux semi-anneaux à chaque extrémité. Il n'y a pas de bosse, sauf que ici la piste va devenir très bossue. Il n'y aura pas de saut, mais ça va devenir très bossu à cause des autres activités qu'ils ont dans la même soirée. Les obstacles sont plus abrupts que l'an dernier. Il y en a plus. La piste est un petit peu plus longue. On va dans chaque partie du stade, donc ça rallonge un peu. C'est plus technique. Puis ça regarde très bien pour samedi.